Living Seed Media brings to you God's Word, which is His comprehensive equipment for changing lives. May the Lord impact your heart as you encounter His Word. For further inquiry or counsel, contact Peace House, P.O. Box 971, Boko, Benue State, Nigeria. Telephone numbers 0703-036-3659, 0703-768-1198. Email address lsmedia@livingseed.org or visit our website at www.livingseed.org. Let us sit back and listen as the servant of God brings forth the word of life. Beg you this morning, je veux vous supplier ce matin, to believe God as you have never believed him before. De croire en Dieu comme vous n'avez jamais cru en lui auparavant. If in the past, si dans le passé, you have believed God, vous avez cru en Dieu, can I beg you, est-ce que je peux vous supplier, to believe him more than you have ever believed him. De croire en lui plus que vous l'avez fait dans le passé. That's my plea. Ça, c'est ce, that is God's plea to you. Oui, c'est ce que Dieu plaide avec vous. What is it that we must believe? Vous devez croire en quoi? We must believe the promises of God. Nous devons croire aux promesses de Dieu. God, last night, la nuit dernière, Dieu began to intimate to us, a commencé par nous parler, the overwhelming promises. Il a commencé par nous donner des promesses. The whole chapter of Isaiah chapter 60. Tout le chapitre d'Ésaïe 60 is full of promises. Est rempli de promesses. He says nations will come to your light. Il a dit des nations viendront à ta lumière. And kings will come to the brightness of your dawn. Et des rois viendront à toi. Lift up your eyes. Lève tes yeux. And look about you. Et regarde. They are already gathering themselves. Ils s'assemblent tous. They are already assembling themselves. Déjà, ils sont en train de s'assembler. To come to you. Pour venir à toi. Even young people shall come to you. Même les jeunes gens viennent à toi. Your sons, tes fils, and your daughters, et tes filles, will come to you. Viendront à toi. You will actually nurse them. Tu vas les nourrir. You will nurture them. Tu vas les nourrir. You will raise them up for the Lord. Tu vas les susciter pour le Seigneur. The whole chapter is full of overwhelming promises. Tout le chapitre est rempli de promesses merveilleuses. Not to us as a group. Pas pour nous en tant que groupe, but to you as an individual. Mais à toi comme individu. How I wish this could seize your heart. Qu'est-ce que je souhaite que ceci saisisse ton cœur? How I wish you could believe that God is speaking to you as a person. Qu'est-ce que je souhaite que tu puisses croire que Dieu est en train de te parler? He is not speaking to us as persons. Il ne nous parle pas comme à des personnes. He is speaking to you. Il te parle à toi. They will gather to you as a person. Il te parle à toi comme personne. And the last verse makes this very clear of chapter 60 of Isaiah. Et le dernier verset du chapitre 60. The last verse makes this very clear. Rend ceci très clair. It says, ça dit, the least of you, le plus petit, the smallest of you, le plus petit, le moindre. I like it in the King James. It says, the little one, not the little ones. It's not the little ones. It is the little one singular. Dans King James, c'est dit, c'est comme Louis II. The little one shall become a nation. Le plus petit deviendra. And the small one, singular, small one. Et le moindre, une will become a nation. Le moindre deviendra une nation. So it is clear that God is speaking to us as individuals. Alors c'est clair que Dieu nous parle comme à des individus. And he is begging us. Et il nous supplie. To believe him. De croire en lui. To believe his promises. De croire en ses promesses. If you look at me, si vous me regardez, I am not a young man. Je ne suis pas un jeune homme. I hope it is obvious when you look at me. J'espère que c'est évident lorsque vous me regardez. That I am advanced in years. Que je suis avancé en âge. And yet last night I just could not sleep. Mais la nuit dernière, je n'ai pas pu dormir. God was speaking to me particularly. Dieu me parlait précisément.
He was telling me what he wants me to do at my old age. Il me disait ce qu'il voulait que je fasse dans mon âge avancé. I went to say it with Brother Pile. Je suis allé dire ça last night. La nuit dernière. I said while the word of God was coming this morning. Je lui ai dit que lorsque la parole de Dieu sortait. The Lord spoke to me particularly. Que le Seigneur m'a parlé précisément. And he told me what he wants me as a person to do. Et il m'a dit ce qu'il attendait de moi en tant que personne. I want to trust that God is speaking to you as a person. Je veux croire que Dieu est en train de te parler à toi aussi comme à une personne. He is beginning to give you specific instructions. Il a commencé par te donner des instructions specific précises, things. Des choses spécifiques. That God wants to do. Que Dieu veut faire. Through you. Par toi. What is your response? Quelle est ta réponse? Only one response. Une seule réponse. Believe God. Croire en Dieu. That's the only response God requires of us. C'est la seule réponse que Dieu a. Simply to believe him. Simplement croire. Why is it the only response God requires from us? Pourquoi c'est la seule réponse que Dieu attend de nous? It is because it is clear that we have got nothing to do. C'est parce que c'est clair que nous n'avons rien d'autre à faire. About what God wants to do. En ce qui concerne ce que Dieu veut faire. He is not requiring us to do something. Il n'attend pas de nous que nous fassions except quelque chose. To believe him. Si ce n'est de croire en lui. The rest will be done by him. Le reste sera fait par lui-même. The last verse underscores that. Le dernier verset. He says, I, the Lord. Dit toujours, moi l'Éternel. When it comes to all the promises he has enunciated in chapter 60. Ce qui concerne toutes les promesses qu'il a annoncées au chapitre 60. He concludes chapter 60 by saying. Il a conclu le chapitre en disant. The one who will do these things. Celui qui fera ces choses. Is the Lord himself. C'est le Seigneur lui-même. He says, I, the Lord, will hasten. Il a dit, moi l'Éternel, je hâterai. Will accelerate. J'accélérerai. Will do it swiftly. Je le ferai rapidement. What I am promising to do. Ce que j'ai promis de faire. Your only response. Ta seule réponse. Is to believe God. C'est de croire en Dieu. I want to refer you to a few verses. Je veux vous référer à quelques versets. That talk about the nature of God's promises. Qui parle de la nature des promesses de Dieu. Just a few verses. Juste quelques versets. The intention this morning is to pray. L'intention ce matin c'est de prier. You are not to pray for anyone else. Vous n'avez pas à prier pour quelqu'un d'autre. You are to pray for yourself. Vous avez à prier pour vous-même. That the Lord will grant you grace. Que le Seigneur vous accorde la grâce. To fully believe him. De croire pleinement en lui. To latch on. De savoir. To cling to. De s'accrocher. All the promises. De s'accrocher à toutes les promesses. That God has given to us. Que Dieu nous a donné. All the men who did great exploits for God in the past. Tous les hommes qui ont fait de grands exploits pour Dieu dans le passé. Are people who did just one thing. Ces gens-là ont fait juste une chose. They only believed God. Ils ont simplement cru en Dieu. All of them. Ils ont simplement cru en Dieu. God gave them promises. Dieu leur a fait des promesses. And they dared to believe God. Et ils ont osé croire. And God came through for them. En ses promesses. Et Dieu s'est montré. Joshua chapter 21. Josué 21. 45, I'm sorry. It says, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. He says that again in chapter 23. Dans le chapitre, au chapitre 23. It seems as though these are his parting words. These are his parting words. Ça, c'est parole pratique. He's just about to depart from the earth. Il était, ok, Josué était sur le point de partir. He reminds them again. Et il leur a rappelé encore. That God is faithful. Que Dieu est fidèle. To his promises. Il est fidèle en ce qui concerne ses promesses. To every single promise that he gives. Pour chaque promesse qu'il fait. In chapter 23, verse 14. Ok. Chapter 23, Josué, verse 14. 23, verset 13. Again. Joshua gives his testimony. Josué témoigne encore ici. He says, now I am about to go the way of all the earth. Il dit, je suis sur le point de partir. That's a euphemism to say, I'm just about to die. Oui, ça veut dire, je suis sur le point de mourir.
I'm about to go the way of all the earth. Je suis sur le point de partir. You know with all your heart. You know it. Vous savez. With all your heart. De tout votre cœur. And soul. Alors. That not one of all the good promises. C'est en français, c'est verset 14. Voici, je m'en vais the maintenant. The Lord your God gave you has failed. Par le chemin de toute la terre, reconnaissez. Every promise. De tout votre cœur, de toute has votre been âme, fulfilled. Qu'aucune de toutes les bonnes not paroles one has failed. Prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. He emphasizes the word that every single promise. Il a insisté sur. In this verse, he says it twice. Not one of the promises. Il a dit qu'aucune promesse de l'Éternel that God has given to Israel que Dieu a donné à Israël has failed. N'a échoué. Every promise. Toutes ces promesses has been fulfilled. Se sont accomplies. Not one. Pas une seule. Has failed. Aucune n'a échoué. May I say with all courage in my heart. Permettez-moi de dire avec tout le courage with dans mon all cœur, confidence. Avec toute l'assurance. That the promises that God is giving us in this summit of the nations this year. Que les promesses que Dieu nous donne au cours de ce sommet. Not one of them will fail. Qu'aucune d'elles ne va échouer. Every single promise chaque promesse that God is giving to us, que Dieu est en train de nous donner, he will see to it il va veiller à cela, that it is fulfilled. Et cela va s'accomplir. The Bible calls them good promises. La Bible les appelle les bonnes they promesses. Are good promises. Ce sont de bonnes promesses. God is promising what he intends to do. Dieu nous promet ce qu'il a l'intention de faire. What he has resolved to do. Ce qu'il a résolu de faire. Now the Bible says. Maintenant la Bible dit. Not one. Aucune. Has failed. N'est resté sans effet. 1 Kings chapter 8 and verse 56. Un roi. 1 Kings. Un roi 8. Chapter 8. Un roi 8. And verse 56. Verset. Again 56. This phrase not one appears again. Un roi 8, 56. That God fulfills everything he says. Dieu accomplit tout ce qu'il dit. To the letter. Tout ce qu'il dit, il accomplit à la lettre. 1 Kings. Un roi 8. Chapter 8. And verse 56. Verset 56. I'm really encouraging you this morning. Je lis et je vous encourage. I am begging you. Ce matin, je vous supplie. On behalf of God. En faveur de l'Éternel, I am pleading with you. Je plaide avec vous. Believe God. Croyez en Dieu. 1 Kings 8:56 says. Un roi 8:56 dit. Praise be to the Lord. Béni soit l'Éternel. Who has given rest. Qui a donné du repos. To his people Israel. À son peuple d'Israël. Just as he has promised. Selon toutes ses promesses. Not one word. Aucune parole. It is as though the promises of God are put in words. Vous savez, les promesses de Dieu sont écrites. And the Bible says not a single word. Et la Bible dit aucune parole. Of the many words. De toutes les paroles. That are used to articulate God's promises. Aucune des paroles de toutes les bonnes de toutes les paroles de not l'Éternel. Not one word has failed. Aucune n'a échoué. Of all the good promises he gave through his servant Moses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur, aucune n'est restée sans effet. May I tell you? Permettez-moi de vous dire. Whatever promises God gives you. Quelle que soit la promesse que Dieu vous donne. Whatever number of promises he gives to you. Quel que soit le nombre de promesses qu'il vous fait. As a person. En tant que personne. Not as a group. Pas en tant que groupe. As a person. En tant qu'individu. Not a single one of them. Aucune de ces promesses will fail. Ne restera sans effet. God will fulfill them. Dieu les accomplira. What is our response? Quelle est notre réponse? Not many responses. Pas plusieurs réponses. Just one response. Juste une seule réponse. What is it? Quelle est cette réponse? Believe God. Croire en Dieu. Don't believe God generally. Ne croyez pas en Dieu généralement. Believe God specifically. Croyez en Dieu de façon spécifique. Particularly. De façon particulière. Believe him for what he has promised to do for you. Croyez en lui pour ce qu'il a promis de vous faire. Believe God. Croyez en Dieu. Even though the promises may seem so big,
Même si la promesse paraît grande. So unattainable, humanly speaking. Si ça paraît grand aux yeux des hommes. You are not the one who is responsible for their fulfillment. Vous n'êtes pas responsable de l'accomplissement the de Lord sa says, promesse. I, the Lord, le Seigneur a dit, moi, l'Éternel, je hâterai. Will make sure je m'assurerai that what I've promised you que ce que j'ai promis will take place. S'accomplisse. I'm in Psalm 106. Je suis maintenant dans Psaume. Verse 12. 106, verset 12. Tells us what our response should be. Et ça nous dit, ce psaume nous dit quelle doit être notre réponse. Maybe before we do that, let me go to Psalm 119. Mais avant d'aller là-bas, j'irai dans Psaume. There is 119. One word I want us to get in Psalm 119. Nous irons d'abord dans Psaume 119. And 119, verse 140. Psaume 119, verset 140. The promises of God. Les promesses de Dieu. This morning we're singing. Ce matin nous chantions. Maybe some of you don't know the song. It's a standing on the promises of Lord, my Savior. I'm standing on the promises of God. One more time. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Je tiens dans la promesse de mon Dieu. Ce que dit le chant. Psalm 119. Psaume 119. And verse 140. Verset 140. It says your promises have been thoroughly tested. Ta parole est entièrement éprouvée. Your promises. Tes promesses. Have been thoroughly tested. Sont entièrement éprouvées. And your servant loves them. Et ton serviteur les aime. Our brother took the liberty. Notre frère a pris la liberté. Yesterday. Hier. To share with us de partager avec nous all the promises toutes les promesses that God had given to them que Dieu leur a donné as a group of brothers in Nigeria. En tant que groupe de frères au Nigeria. He took the liberty to share with us. Et il a pris la liberté de partager he says, avec God nous. Promised this. Il a dit, Dieu a promis ceci. And he fulfilled it. Et il a accompli. And God promises this. Et Dieu a promis ceci. And he fulfilled et il a accompli. It. God said to us Dieu nous a dit he was going to bring nations qu'il va amener des nations to this little remote dusty and hot place called Bogo. À ce lieu, cette brousse là. God says he was going to draw people to it. Dieu a dit qu'il va attirer des gens ici. Here we are. Nous voici. From Malawi. De Malawi. From Botswana. De Botswana. From South Africa. De la Sud. From Rwanda. De Rwanda. From Australia. De l'Australie. God has fulfilled his promises. Dieu a accompli cette promesse là. This verse says, your promises tes promesses have been thoroughly tested. Ici on dit ta parole est entièrement éprouvée. They have passed the test. Oui, elles ont passé par les épreuves. When God gives a promise, lorsque Dieu fait une promesse, he fulfills it. Il l'accomplit. He says, and your servant et il dit, et ton serviteur loves them. Les aime. Do you love the promises that God gives you? Est-ce que vous aimez les promesses que Dieu vous a faites? There are two responses when God gives you a promise. Il y a deux réponses quand Dieu fait une promesse. It is either you shudder in unbelief. Ou vous restez dans l'incrédulité. Or you embrace them. Ou vous embrassez ces promesses. And you love them. Et vous les aimez. In verse 148. Au verset 148. Of the same chapter 119. Ce même chapitre de Psaume 119. He says, "My eyes stay open through the watches of the night." Il dit, je devance les veilles et j'ouvre les yeux. That I may meditate, I may think, I may reflect. Pour méditer, pour penser, pour réfléchir. I may meditate on your promises. Méditer ta parole, pour méditer sur tes promesses. You don't interrogate God's promises. On n'interroge pas les promesses de What Dieu. Do you do? Qu'est-ce qu'on fait?
You meditate on them. On médite sur ces promesses. You reflect on them. On réfléchit là-dessus. You don't ask the question. On ne pose pas de question. How shall it be? En disant comment est-ce que cela va arriver. You only say. Vous dites seulement. I am the Lord's maid servant. Je suis le serviteur. Let it happen to me. Qu'il me soit fait. According. Selon. To your word. Selon ta parole ou selon Let me ask you a question. Je vais vous poser une question. How many of you last night meditated? Combien d'entre vous aimez la méditation? On Isaiah 60. Can you show your hand? Combien ont médité sur hier sur Ésaïe 60? How many of you meditated? Combien ont médité sur Ésaïe 60? Can I urge all of you? Est-ce que je peux vous supplier? God is giving us awesome promises. Dieu est en train de nous donner, de nous faire certaines promesses. What must you do? Qu'est-ce que nous devons faire? Embrace them. Nous devons les embrasser. Love them. Les aimer. Believe God. Croire en Dieu. And the only thing you need to do is to meditate. Et la seule chose d'autre à faire, c'est de méditer là-dessus. I was already meditating on what God was saying. Je méditais sur ce que Dieu disait. I was already looking for a house. Déjà, je suis en train de méditer, de where regarder, God says I should be going. De regarder là où Dieu me demande d'aller. I was imagining where this house will be. Je suis en train de m'imaginer ce I que was ça meditating va être, et je méditais là-dessus. On the promises. Je méditais sur les promesses. Of God. Promesses de Dieu. I repeat. Je répète. The Lord is pleading with you. Le Seigneur plaide avec vous. The Lord is begging you. Le Seigneur vous supplie. I'm hearing God saying to you. Je l'entends vous dire. Please believe me. S'il vous plaît, croyez en moi. What I say, I will do for you. Ce que j'ai dit que je vais vous faire. I will actually do for you. En fait, je le ferai. I will watch my words. Je veillerai sur ma parole. To see that it is fulfilled. Pour la voir s'accomplir. Please believe me. S'il vous plaît, croyez-moi. Don't doubt me. Ne doutez pas de moi. That's Psalm 106, verse 12. Psalm 106, verse 12. Psalm 106, verset 12. The great promises of God. Les grandes promesses de the Dieu. The good promises of God. Les bonnes promesses de Dieu. The thoroughly tested promises of God. Les promesses de Dieu éprouvées. The unfailing promises of God. Les promesses infaillibles de Dieu. What must we do in response? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ces promesses? Verse 12 says. Le verset 12 dit. Then they believed his promises. Et ils crurent à ses paroles. And then they began to sing. Ils chantèrent ses louanges. That's why I was singing this morning. C'est pourquoi je chantais ce matin. Singing, standing on the promise of God. Je chante debout, je me tiens à la promesse de Dieu. That was the song I was singing this morning. Et le chant que je chantais ce matin. I sang another song in Zulu. J'ai chanté en Zulu. I wish you knew Zulu. J'aurais souhaité que vous compreniez That song in Zulu says the promise of God. The promises of God La promesse de Dieu are stronger than mountains. Sont fortes. It says mountains may fall. Elles sont fortes. But God's promises les montagnes tombent, mais will les never promesses fall. De Dieu n'échouent jamais, ne s'écroulent jamais. It says, is it ambiso? Zenkosu Jesu. Ça c'est en Zulu. Zikine kune zintabala. Nokubaziwa izinkanyezi zingewezi thembisola. It says, even if the stars may fall, il dit même si les étoiles tombent, the promise of God la promesse de Dieu will never fall. Ne vont jamais tomber. Then they believed his promises. Ils crurent en ses paroles. But we're not talking about they now. Mais on ne parle pas d'eux maintenant. We are not talking about they. Il ne s'agit pas de ceux-là. We're talking about you. Mais il s'agit de toi. Can it be said of you? Est-ce qu'on peut dire de toi? You believe the promise of God. Tu as cru aux promesses de Dieu. You believe the promise of God. Tu as cru aux promesses de Dieu. And you began to sing. Et tu as commencé par chanter. Praising God. Gloire à Dieu. As if these promises are already in your hand. Il faut louer Dieu comme si ces promesses étaient déjà dans tes mains. And in fact they are. In fact they are. Et à fait la terre. Because whatever God promises. Elles sont dans tes mains ces promesses. Whatever God promises. Tout ce que Dieu promet. It is already in your hand. C'est déjà entre tes mains.
Not that it will be in your hand. Pas que ça viendra dans tes mains. It has already been accomplished. C'est déjà accompli. That's why you sing in exaltation. C'est pourquoi tu vas chanter. They believe the promise of God. Et ils ont cru et ils ont chanté ici. And what did they do? Ils ont cru et qu'est-ce qu'ils ont they fait? They began to sing. Ils ont commencé par chanter. Oh, please believe God. Ah, s'il vous plaît, croyez. Romans chapter 4. Romains 4. Romans chapter 4. Le livre des Romains 4. From verse 18 to 21. Verset 18 à 21. But the emphasis is on verse 21. Mais l'accent sera mis sur le verset 21. This is a prayer point. Voici un point de prière. C'est un point de prière. Verset 21. It says, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, it had been promised to him. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver. Just read verse 20. Yet he did not waver. Il ne douta point, verset 20. Through unbelief. Par incrédulité. My plea to you. Ce que je demande, je souhaite. Is that you will not waver. C'est que vous n'allez pas douter, balancer. Through unbelief. Par l'incrédulité. He did not waver through unbelief. Il ne douta point par incrédulité. Regarding the promise of God. Au sujet de la promesse de Dieu. Oh, child of God. Oh, enfant de please Dieu. Please don't waver. Please don't waver. Ne soyez pas douteux. He says the little one. Il dit le petit, le shall plus become petit a thousand. Va devenir un millier. That little one is you. It's you. It's ce you. Ce petit là, c'est toi. There's your name to it. Il faut attacher ton a little one shall become a thousand. Le plus petit deviendra un millier. God is talking about you. Dieu parle de toi. A small one. Le petit. An insignificant one. L'insignifiant. A nameless one. Celui qui n'a pas de nom. A one with no credentials. Celui qui n'a aucune réputation. Shall become. Il va devenir. A strong nation. Une nation puissante. Don't waver. Ne sois pas douteux. Do you hear me? Est-ce que vous m'écoutez? Don't waver. Il ne faut pas douter. Through unbelief. Par incrédulité. Regarding the promise of God. Concernant la promesse de but Dieu. But was strengthened in his faith. Mais il fut fortifié par la foi. May God strengthen your faith this morning. Que Dieu fortifie votre foi ce matin. If last night you heard these promises. Si hier nuit vous avez entendu ces promesses. And in unbelief. Et dans l'incrédulité. You said these things are too big. Vous avez dit, ah, ces choses sont trop grandes. Me. Moi. Becoming a thousand. Devenir un millier. Me. Becoming a strong nation. Moi, devenir une nation. No, puissante. God is not speaking to me. No, He's not speaking to me. Dieu ne me parle pas à moi. Ce n'est this pas promise de is too big. Non, ces promesses sont trop grandes. May God strengthen your faith. Puisse Dieu fortifier votre foi. He's talking to you, you as an individual. Il est en train de s'adresser à you vous. Will become a thousand. Vous allez devenir un millier. You will become a strong nation. Vous allez devenir une nation puissante. May God strengthen your faith this morning. Que Dieu fortifie votre foi and ce matin. And begin to give glory to God. And et begin to sing. Commencez par donner gloire à Dieu. And begin to worship God. Commencez par donner gloire à Dieu. And begin to exalt in Him. Commencez par l'exalter. And you glorified God. Ils ont donné gloire à Dieu. Oh, verse 21 is the point of prayer. Et le verset 21 est un point de prière. Brother Patrick will help us to pray over that point. Le frère Patrick nous aidera à prier. He was fully persuaded. Verset 21 dit, et ayant la pleine conviction. How I wish God could fully persuade you. Qu'est-ce que je souhaite que Dieu vous donne une pleine conviction. He would never have brought you to this place. Il n'aurait jamais Dieu vous amener ici. And then gave you these promises. Il ne va pas vous amener ici et vous faire ces promesses. If he did not mean what he says. S'il n'était pas convaincu de ce be qu'il était. Be fully persuaded. Ayez une pleine conviction. That God has power. Que Dieu dans sa puissance. God has power. Dieu a la puissance. To do. De faire. What he has promised. Ce qu'il a promis. Can God make you the little one? Est-ce que Dieu peut faire de vous le plus petit? A thousand. Un millier. I'm asking you. C'est une question.
I'm asking you as individuals. Je vous pose la question individuellement. Can God make you 1,000? Est-ce que Dieu peut faire de vous un millier? Are you fully persuaded Est-ce that he can? Est-ce que vous en êtes convaincu? Can God make you a small one? Est-ce que Dieu peut faire de vous le moindre? Can he make you a nation? Est-ce qu'il peut faire de vous une nation? I mean you. Je parle de vous. Are you fully persuaded? Est-ce que vous avez la pleine conviction de ça? Oh, this man was fully persuaded. Ces hommes avaient une pleine conviction. That God was able. Que Dieu était capable. To do. De faire. What he had promised. Ce qu'il a promis. Numbers 23. C'est plutôt le chapitre 23. Verse 19. Verset 19. God is not a human being. Dieu n'est pas un être humain. God is not a mere man. Dieu n'est pas un simple homme. Who sometimes promises with good intentions? Qui des fois fait des promesses avec When he gives the promises, et lorsqu'il fait les promesses, he may have good intentions. Il peut avoir de bonnes intentions. But he may not have the capacity. Mais il peut ne pas avoir la capacité to do what he promises. De les accomplir. But God is not a man. Mais Dieu n'est pas un homme. That he should lie. Pour mentir. God is not a human being. Dieu n'est pas un être humain. That he should change his mind. Pour changer ce qu'il a dit, changer sa pensée. Does he speak and not act? Ce qu'il a dit. What is your answer? Does he speak and not act? Est-ce qu'il va dire et ne no. pas accomplir? Non. Does he promise? Est-ce qu'il promet? Does he promise? Yes. And not fulfill? Est-ce qu'il no. promet pour ne pas accomplir? Non. The one who's giving us these wonderful promises. Celui-là qui est en train de nous faire ces promesses merveilleuses. These mind-boggling promises. Ces belles promesses. These promesses, good promises. Ces bonnes promesses. These thoroughly tested promises. Ces promesses éprouvées. Is God. C'est Dieu. He ends by saying, I, the Lord. Il a ajouté en disant, moi l'Éternel. Will hasten it. Je hâterai ces choses. I want to believe Je veux croire that while we're sitting here, que lorsque nous sommes ici, God is busy working in your nations. Dieu est en train de travailler dans vos nations. He will not begin to work when you arrive. Vous n'allez pas commencer par travailler. He is beginning vous. To work in your nations. Lui, il a commencé par travailler to dans vos nations. To fulfill what is promising to you. Pour accomplir ce You shall become a nation. Vous allez devenir une nation. You shall become 1,000. Vous allez devenir un millier. Because the mouth of the Lord Parce que la bouche de l'Éternel has spoken. A parlé. Amen. Amen. Standing, standing, standing on the promises of Lot, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing, shall we rise? Standing. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, oh standing. I am standing on the promises of God. Oh standing, standing, oh standing. Surely on the promises of God. Aria Santa Yavasuka Parayanda Hasuta. Oh, standing. I am standing on the promises of God. Standing on the promises of God. I oh. Praises ring. I see standing on the promises of God. Oh, I am standing on promises. On promises, standing on the Kaya Soro Sitayaba. Lord, we have no option than to believe you. Oh, standing. I am standing on the promises. Oh, standing, stand. With all your heart lifted, with your soul
soul and your spirit connected to God this morning, you have every reason to believe God. Oh, standing. I am standing on. One more time. Affirm it, declare it, declare it. That's your position now. Standing. Promises of God, my Savior. I am standing on the promises of God. I want you to declare, yes, Lord, that's my position this morning. I say no to everything contrary. My position is that I stand where God is standing. I stand on the side of God this morning to believe you, Lord, to believe you. Kaya sandi babaraba shentere bosoro boshiria. Makaya kata yakaria sabayaba. You include my name, O God, in the company of those who believed you. Maya sontoro bosh. Yeke sandebobo sandi karia labosete. Yata yata kushi papaya katoria. Lord, I believe you, Lord, I believe you. Release me, O God, from every dint of unbelief. Your word will surely stand. Lord, I take your position this morning. I take your position this morning. Baseke prokopo saita palabra, maseke preke laba senta biaba santa leba busita prakalabasia. Somebody is holding on the word of God this morning. Quelqu'un en train de s'accrocher à la parole de Dieu ce matin. Somebody is reflecting on the things God has said to him. Quelque chose est en train d'imaginer. Somebody is reflecting on what God has said to her. Quelqu'un en train de refléter de voir. Oh Lord. Dites, oh Seigneur. I take your position this morning. I stand on what you have said. Je me tiens sur ce que tu as dit. I stand on what you say, Lord. Je me tiens sur ce que tu dis. Maya kosopo roboshete ke prokobasita bayaba. Ese kapraka pashinteri kaposo prokoposhe kapraka lakaseke prokoposhe kapraka lakaseke prokoposa kataya baba. Nege dege bogo lo bogo 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 saika barakate se kapraka te kaso prokoposhe kapraka tasi kapraka tu shika kapraka tu. Maga dega baya ga dega boga ziga braga de ziga baga ye ke te ke koko baye. Mase ke makata ya koko koko mekate ya koko koko se kataya kaso koko kapraka te se koko kapaye. Makase ke makata ka kuru bushere ke kuru bose kate kapra mashentere ke poso koko koko. Maseke prokoposhika pragabada. Mekotoko prokoposhika pragada. Mekotoko prokobasaye. Makateke koloba diga babaye. Masenteri makarabaga diga dragade. Makateke prokoposhika pragada gabaye. Makateke prokoposhika pragada gaboseke prokobazia. Mekotoko prokobasika pragadiga bobaye. Maziga bobo bobo diga baga diga bobo bagazie. Makateke prokoposhika. My in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. This morning you are raising a cry to heaven. Ce matin, tu vas envoyer un cri dans les cieux. Without faith, it is impossible to please God. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Will you raise a cry this morning? Est-ce que tu vas élever un cri? As Abraham staggered not at the promise of God. Comme Abraham n'a pas désespéré en ce qui concerne les promesses de Dieu. You are going to ask the Lord this morning. Tu vas demander au Seigneur ce matin. Every area of my life.
tout domaine de ma vie. Every issue you have raised with me. Tout ce que tu as dit me concernant. Every issue concerning my personal life. Tout ce qui concerne ma Every vie personnelle. Issue concerning the word of God over revival. Tout ce qui concerne la parole de Dieu. Where sur I have been staggering. Là où je suis retenu. Lord, cure me of faith failure Seigneur, this morning. Guéris-moi de l'incrédulité. Lord, deliver me from faith failure. Délivre-moi d'une foi faillible. Deal with every reservoir of unbelief. Traite avec tout réservoir d'incrédulité. Scatter every reservoir of unbelief. Brise tout réservoir d'incrédulité. Any area I'm staggering on your word. Tout domaine où je lutte avec Every parole. Point I am staggering on your promise. Tout point où je lutte avec des promesses. Release me this morning. Release me this morning. I want to stretch afresh. Je veux de toucher I want to stretch my faith afresh. Je veux étendre ma foi. Deliver my heart from unbelief. Délivre mon cœur de l'incrédulité. Every area of staggering. Tout domaine où je lutte. Lord, heal my heart. Seigneur, guéris mon cœur. Lord, heal my heart. Guéris mon cœur, Seigneur. Every faith failure. Toute foi faillible. Oh Lord, scatter it this morning. Oh, Seigneur, brise Let there be a healing to my spirit. Let there be a healing to my spirit. Release me, oh God. Release my heart, Lord, from every point, oh Lord, of staggering. Where I've been, oh God, holding you to ransom. Let my heart, oh God, be released this morning. I repent of unbelief. I repent, oh God. Fighting over the word of God. Oh Lord, I repent. Every staggering of my heart. My Jesus. Lord, do something new. Do something new with my heart this morning. Seigneur, fais quelque chose de nouveau avec mon cœur. Whatever you did to Abraham, whatever you did to Paul, whatever you did to Moses, ce que tu as fait à Moïse. Lord Almighty, Dieu tout puissant, it's our time to believe God. C'est notre temps. It's our time to believe God. C'est notre tour maintenant de croire en Dieu. Reshake it, Ayaba. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Did you know? Est-ce que vous savez? That the word of God came to the church in the wilderness. Que la parole de Dieu est venue à l'église. Concerning the rest into which God's people must enter. Concernant le repos dans lequel le peuple de Dieu devait rentrer. But because they could not believe God. Parce qu'ils n'ont pas pu croire en Dieu. They were stranded. Ils ont été limités, retenus. God is speaking unto us great promises again. Dieu est en train de nous dire de grandes promesses. There remains this rest for the people of God. Il y a ce repos pour le peuple de Dieu. And we are the people to whom the word of this promise has come. Et c'est à nous que les paroles de cette promesse là ont été adressées. He said Abraham was persuaded. La Bible dit que Abraham était persuadé. He was fully persuaded. Il avait la pleine conviction. That what God had promised. Que ce que Dieu promet. He was able to perform. Il peut aussi l'accomplir. Can we pray for the persuasion of the Holy Spirit? Est-ce que nous pouvons prier in our inner man this la morning? La conviction du Saint-Esprit dans notre être. When God said one a little one shall become a thousand. Lorsque Dieu dit que le plus petit deviendra un million. Oh Lord, persuade me in my inner man. Seigneur, donne-moi la persuasion. That I am that one. I am that one. Je suis celui-là dont tu parles. Small one. Le plus petit. Shall become a great nation. Deviendra
une grande nation. In this day of his power. En ce jour de sa puissance. In this break of his power. En ce jour de sa puissance. Lord, persuade my inner man. Seigneur, donne-moi pray, la pray that God will quicken your inner man. He will persuade your spirit. He will convince you in the Holy Ghost. You yourself will believe. Lord, we also will believe. The word has come to us. We of the Joshua generation. We will enter. Lord, we will enter. Lord, we will enter. A little one will become a thousand, oh God.